En octobre 1990, La Poste célèbre la création du drapeau français. Mais beaucoup d'incertitudes planent encore sur l'exactitude de ses origines. Aucun historien ne s'étant penché au chevet de son histoire. Ce que nous savons, c'est qu'avant d'être drapeau, nos couleurs furent cocardes. Trois jours après la prise de la Bastille, Louis XVI se rend à Paris pour paraître devant son peuple. Lafayette lui tend alors la cocarde parisienne bleue et rouge, afin qu'il l'associe à la cocarde blanche de la royauté. Si la paternité de la cocarde tricolore ne peut lui être accordée, que le roi l'arbore en public ce 17 juillet fut certainement gage de son succès. En 1790, le vote pour l'officialisation des couleurs nationales crée un vif débat à l'Assemblée. Et c'est Mirabeau qui prend la parole et défend avec panache les nouvelles couleurs du pavillon national. Mais le drapeau devient emblème officiel le 15 février 1794, lorsque la Convention le décrète pavillon national. Verticales seront les couleurs, l'horizontalité étant hollandaise. La légende dit que l'ordre des couleurs est établi par le peintre David. Ce drapeau disparaît avec le retour de la monarchie entre 1814 et 1830. C'est pourquoi les barricades l'arborent si fièrement lors de l'insurrection de juillet. Louis-Philippe réaffirme que les couleurs nationales sont le bleu, le blanc et le rouge. Il peut ainsi proclamer « La nation reprend ses couleurs ». Le 25 février 1848, lors de la proclamation de la Seconde République, les insurgés veulent un drapeau national rouge. Et c'est Lamartine qui défend brillamment les couleurs devant la foule réunie à l'hôtel de ville. Le drapeau tricolore fait partie de notre histoire. De tous nos emblèmes nationaux, il est aujourd'hui le seul défini par l'article 2 de la Constitution de la Ve République.